possible. Mais qu'est-ce que je vois dans la morne plaine? Oh, ça y est, t'as les Autrichiens qui ramènent leur casaque. Écoutez, cette mère Marie-Thérèse d'Autriche, elle nous en veut. Vous savez, elle est mauvaise, la vieille. Ouh. Oh, quel est cet écho dans la vallée? Mon général! Oh, fanfan, la pâquerette! Oui, c'est lui! Non, mais dis-donc, toi, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est comme ça qu'on salue un supérieur? Oh, pardon! Ah, quand même! Bonjour, Maurice! Maurice comment? Maurice de Saxe! Ou encore? La grosse porcelaine fragile! Ça suffit, soyons militaires. Poum! Si, c'est réglementaire. Poum! Allez, au rapport! Chef, je monte la garde tout seul, sur la petite colline, avec le petit fusil, pif, paf! Puis je sens que je fatigue. Ah oui, ah, ça, ce sont les jambes. Mettez des supposes le bourget. Oh non, non, non. Il n'y a que Dim qui m'aille. Oh. Alors qu'est-ce qu'on fait? On trépigne ou on attaque? Mais il est folle celle-ci. Pardon, il est faux celui-ci. Ah. Le grand chef n'est pas levé. Oh, tonton Luxembourg? Oui. Tu connais le gros Lulu? Oui. Ben, le Luxembourg. Oh. Grandes ondes. Oui, 1829 mètres. Non, c'est pas vrai. 1829, j'ai bien fait de pas y aller. C'est quand on le réveille au sursaut. Après, il boude et je vois salissime, mon petit demain, on est fâché. On rentre à Paris, on perd les Pays-Bas, la Silésie, le duché de Parme. Oh, bah non, merci, tiens, fuite. Oh, mais chérie, ne perdons pas Parme, pas Parme, pas Parme, pas Parme, pas Parme. On l'aurait plus de violette. Alors, qu'est-ce que je fais? Parce que si la couture à finir... Oh, allez, va la finir, ta couture. Oh, Midinette. Il est armé. Oh, cher petit voltigeur. Qui c'est qui a tiré? Qui c'est qui a tiré? Ils ne répondront pas, vous savez. Ça, si c'est l'ennemi, moi, je trouve ça d'une grossièreté épouvantable de réveiller les personnes avant 10 h du matin. Après, on allait très tirer. Et on paraît son âge. C'est vrai. Chef. Oui. Qui c'est qui a fait bruit? Oh, bah, je ne sais pas. J'en ai la tête toute retournée. Ah, oh, bah oui, je vois. Ah, oh, bah oui, je vois vous branler du chef. Oh, oh mais fait peur. Ah, non, j'ai cru que c'était un ordre. Ah, oui, il y a des limites. Hein. Autrefois, quand les hostilités commençaient, on était prévenus, il y avait des sonneries. Mais oui, on entendait ta 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 ta. Ça alors, mon pauvre ami, c'est bien fini. Il n'y a plus de ta ta. Oh, alors comment on va se reconnaître? On y arrivera bien. Chef, 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 la fleur que vous m'aviez jetée. Oh, mais c'est la débandade. Ah, le coup passe si près que le pistil tombe. Enfin, Dieu soit loué, il nous est resté les pétales, comme on dit en Alsace. Bon, c'est pas tout ça, causons peu, causons bien. Quand est-ce qu'on me la gagne, ma bataille de Fontenoy? J'ai plus envie. C'est pas vrai? Alors, j'ai plus envie. Oh. Au début, je voulais. Puis maintenant, je veux plus. Mais d'où vient ce retournement? Oh, pardon. Parce que j'ai été blessé. Blessé? Mais c'est insensé, je n'ai pas su ça. Comment ça, il a pas su ça? Je l'ai pas su ça. Mais voilà qu'il a pas su ça. Ah, je vous jure, je n'ai pas su ça. Alors, on est là sans souci, sans savoir qui c'est qui a su ça. Mais oui, je sais, c'est insensé, mais ici, au PC, on l'a pas su, personne l'a su, on l'a pas su. Si les autres l'avaient su, j'aurais su. Mais enfin, il y en a bien un qui a su ça. Mais ben, c'est pas moi. Si je l'avais su, je leur envoyais des fleurs. Oh, je sais, écoutez. Je sais, des soucis, des signes. Oh, rien que les heures passées assez. C'était ce jeu. J'étais blessé. J'ai eu un gros bobo à mon dit. Oh, c'est affreux. Je suis tombé par terre. Ah bon? J'ai crié oui, oui, oui. Ah, bah oui, ben oui, 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 oui. Allez savoir ce que c'était. Oh. Ça, c'est vrai. Puis maintenant, il y a un centre de triage. Hein. Ah bon? Et moi, j'ai eu un ouïouïouï homologué. Oh, homo. Logué. Oh. C'est la Croix-Rose qui m'a ramassé. Oh, ce qui sont dévoués. Ils m'ont emmené en 4 chevaux. Oh, dites-moi. Oh, alors, je suis en pleine convalescence, je retourne, j'ai un fortifiant à prendre. Oh, oh, il est val, et moi qui reste là, ne rien faire. Faut absolument que je fasse quelque chose. Je suis chef. Si, je suis chef. Voyons, est-ce que j'investis? Non, c'est pas ça. Vous avez une très belle image de marque. Est-ce que je prends Aix-la-Chapelle ou je fais une Charlotte aux fraises? Oh, c'est une décision. Chef, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je ne joue plus. Quoi? Il y a un gros Wurtembourgeois. C'est un teuton. Un Tudesque. Un Tudesque dantesque. Et Wurtembourgeois, c'est écrit sur son battle dress. Oh, ben oui, ben je le connais, Middlesex. Non. Ce type. Imbécile, on peut rêver. Oh. Ce type, il m'a pris mon chapeau. Et le dame là. Oh, ça y est, les atrocités qui commencent. Faut pas le faire. Et vous le frappiez très fort avec vos petits poings comme ça. Poum, poum, poum aussi. Chef! Je vais lui chercher des crosses. C'est ça, faites donner toute l'armée. Lâchez les dragons d'Hervé Villard. Tant pis, ça va saccager les pelouses. Mais faut absolument récupérer un chapeau du petit, un chapeau de chez Gélo. Vous vous rendez compte? Oh! Touché! Touché! Mais vous ne pouviez non pas protéger vos arrières. Oh, une balle chercheuse. Oh, bah, je sais pas ce qu'elle cherchait, mais elle vous a trouvé. Ah, j'ai cru que c'était une traceuse. Oh, bah, une traceuse aurait laissé des traces. Oh. Vous seriez défiguré. Oh, je meurs. Hein. Oh, il meurt. Je meurs. Ah, on sera regretté, vous savez. Je meurs.
ton propre mère. Ah, on est bien encore. Je meurs. Et je fatigue, et oh. C'est comme ça qu'on a perdu les Indes, hein. Gardons mon calme. Il meurt. J'ai mon cri. Tout ce que j'ai poussé mon cri, hein. Ça va rester, hein. À moi, la tour. Oui, oui. Mon bourg. Oh, fort, mort. Mais non, poisson d'avril, idiote. Oh, c'est ça, c'est ça. C'est pas des blagues. Ah, vous savez par exemple qu'il a été prouvé scientifiquement que nous avons tous en nous des pouvoirs secrets qu'on ne soupçonne pas. Ah bon. Nous avons en nous une énergie magnétique peut-être, en tout cas des forces dont on contrôle très peu de choses. Et rares sont ceux qu'il a montré.